Satan, des différents partis, groupements, regroupements et organisations politiques qui présent matin avec nous. Organisation FAMIO qui toujours marque présence dans toute activité n'a fait pour payer ça. Chapeau bas pour la presse, parler, écrit, télévisé, en ligne, qui présent après-midi. Dans le cadre événement ça, que nous qualifions d'un événement historique, dans le cadre bataille, nous engager pour nous libérer le pays. Nous songer ici à même dans une conférence de presse équipe qui a piloté réveil là nous t'ai annoncé nous prenons décision pour nous lancer en période de concertation, en période de discussion, en période de négociation. Parce que nous te rendons compte. Pourquoi nous ne pas mener vos batailles ça? Il y a l'autre gros acteur qui souterrain, qui mène le même combat, qui a le même discours, nous te disons, faut que nous cherchions pour nous faire un front commun, pour nous faire une opposition plurielle, pour nous affronter pour lever cette tête-là. Je dis à nous venons de la population, mais opposition plurielle. On a fois demandé un gros applaudissement pour l'UDES à être présent là. Un gros dépassement de soi qui mettait de côté Chapelle Bayou, qui mettait de côté organisation yo, même j'en même nous mettez de côté ti organisation pas nous pour nous doter pays à dont de opposition plurielle pour dégager plusieurs monde qui là dans la parole pour défendre pays. Nous connaît la qui ça Haïti aujourd'hui, nous tout a souffri pendant que un groupe qui a joué. Est-ce que nous comprenons aujourd'hui, monsieur, pour un monde qui dit que c'est président, lui voyager, l'aller dans l'international là, lui déclarer toute bagaille a passé correctement, lui déclarer que le pays a fonctionné normalement. Est-ce que nous acceptons ça? Je dis à nous qui soi-disant représentons nous, qui baillent tête au nom président, nous, ouais, dans le scandale, ils ont tombé. Problème pays n'a pas jamais posé. Problème sécurité n'a pas jamais posé. Problème grand bois, pas jamais posé. Problème petit monde qui va à l'école, pas jamais posé. Mais problème qui a posé, c'est problème sans. Problème qui a posé, c'est problème. Problème qui a posé, c'est problème. Nous d'accord? Non. Moun sa yo, grand engagement. Yo dit, y a rétabli l'ordre. Y a mette sécurité. Y a fait élection. Je dis à nous d'accord que vous passez à côté de mission. Vous faites nous l'aide aux yeux du monde entier. Dans toute l'histoire du monde, c'est la première fois, de manière publique, de monde qui dit au président, trouvez-vous dans une circonstance comme ça et vous pas même des décence pour vous démissionner. Nous venons dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter bêtise à continuer à faire.
dans le pays d'Haïti. Nous venons dire, pays ça, des garçons et femmes vaillants, conséquents, qui ont dirigé. Et nous, par exemple, nous venons dire que pays a fatigué avec eux, nous bouquons avec eux, trop spectacle de bêtises, trop désordre, trop sitirance. Nous venons dire, s'il vous plaît, pas de bougain. Monsieur, dame, cette tête, nous révèle à tout groupe politique qui l'a eu, l'ordre des avocats engagés, Moléder, Fonini, comme si c'était ça, seulement, nous demander au nom de l'opposition plurielle, pour nous retirer le corps côté Moléder. Nous ne pouvons pas pitié le pays. Pays a son troisième catastrophe, 12 janvier, pour nous faire un tremblement de terre. Dans la période de sécurité, ça, c'est plus que un goutou qui passait sous le pays. Et je dis, pour les sept têtes là, passer goutou balle sous l'administration publique. Comme M. Kanem te répète. Et je dis, ma préprenne, monsieur Damsayo, bientôt, n'a retrouvé nous devant la justice. Bientôt, n'a retrouvé nous dans le paquet. Parce que ce n'est pas tout le temps, c'est nous qui sommes là pour faire le peuple passer nous. Dans ce sens, nous tous connaissons. Nous avons lancé l'opération Garçon pas camper. Qui a officiellement pris la rue le 8 août 2020. 24, la presse est au courant. Nous avons annoncé 8 août 2024. Mais je dis, nous pas qu'attendre 8 août. Nous obligés de venir pour nous présenter à la nation, ensemble acteurs SAYO, ensemble personnalité SAYO, qui engagent la CAISA avec nous. Nous arrivons, nous jouons. Association élève l'école yo écrit nous officiellement yo dit 8 août là c'est dernier jour examen officiel nous maintenons un report et nous pas choisi agir même gens avec l'autre qui fait des autres craser pays pour le pays nous tenter cri élève yo pas dans examen philo. Pour raison ça, journée de lever campé général là, qui doit aboutir avec opération libérer Haïtien, ma préprend, journée de lever campé général là, du reporté pour dimanche 11 août 2024. Dimanche 11 août 2024. Pays a levé campé, avocat a levé campé, militant politique a levé campé, famille a levé campé, pays a levé campé. Dans tout département, pour nous dire, abat couleur cette tête, abat corruption, abat blague, abat bandit, pour nous dire, vive Haïti. Monsieur Damfoutine, m'a profité pour nous faire appel à tout le monde qui est en politique, qui n'est pas d'accord avec le pays à diriger. Même si vous êtes côté nègre, vous êtes capable de tromper de bonne foi. Mais si vous sentez de tromper de bonne foi, rejoignez-nous dans l'opposition plurielle. Procédez à 7 minutes de recueillement. Tâchez de chanter avec nous l'hymne national, la tête droite, la main droite sur la poitrine gauche, puis nous commençons ça. Après 4, premier couplet de la Dessalinienne. Premier couplet de la Dessalinienne. Après 4, 1, 2, 3, 4, pour le pays. Les ancêtres, marchons unis, marchons unis.
Marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci de rejoindre Serge. Polyte Maxon, Boss Haïti. Astrid Alexandre, Kona Pirek, apprécie la présence de Astrid Alexandre. Maître Caleb Jean-Baptiste, qui est passé la présentation. Il représente le bloc des avocats. Bloc des avocats engagés. Il y a Maître Dieucul Duversin, force peuple haïtien. Apprécié, Maître Dieucul. Il y a magistrat Jean-Claude Douillon, force populaire, qui est là-dedans, Popol, bien sûr. Il y a Alliance Peuple, Didier Benel, Zibinel. Il n'est pas encore dans le mur, mais il est quelque part, il arrive là, sous peu. Il y a Alliance Patriotique, ingénieur La Plante Philippe. Appréciez la présence de ces personnalités, même s'ils sont quelque part. Appréciez, merci, Papé Bleu. Il y a également la sous-sur foule qui a les représentants que voici. Jean Hilaire, lundi, Rui Gutiérrez, Jean-Claude Lafrance, ingénieur Fritz Cadet, Hilaire, mais avec nous surtout Jean Hilaire lundi. Représentant de foule. Il y a le mouvement 100% diaspora qui se fait représenter par Jacques Gary. Il est là. Nous avons aussi bien mouvement Zansep, mouvement Zansep avec alors gauche radicale, la gauche radicale haïtienne, qui se représente par Maître Franz Jules. Il y a mouvement Femmes pour la paix, c'est ingénieur Yodette Fritz. Alors c'est ensemble d'organisations qui se mettent ensemble avec l'équipe du Réveil National pour mener cette grande bataille au sein de l'opposition haïtienne, au sein de l'opposition. Non pas singulière, maintenant c'est l'opposition plurielle. Vous pouvez vous mettre pour l'opposition plurielle. Allez, c'est un grand honneur matin pour que nous relancer bataille garçon pas campé pour que une fois pour toutes que Haïti reprenne droit grand monde pour que nous orienter pays d'Haïti dans Jean que Dieu. Yo te relè le pouvoir rétrograde. Yo te relè le pouvoir tonton Makout. Yo te relè le pouvoir pas respecter droit monde. L'histoire raconte nous malgré tout qualificatif, il n'y a pas de pouvoir ça. Mais l'histoire dit nous avons de l'eau, nous avons courant, nous avons sécurité. Moi, comme témoin, nous avons marché l'air volé. Un grand bagage où nous avons pris dans la nuit, c'était Lougarou seulement. Maintenant, après, il y a un paquet de monde dans le pays qui campe, qui dit pouvoir ça, pas arrêter là parce que il n'y a pas respecté le droit de monde, il faut aller. Et il y a un pouvoir dictatif, François Duvalier, pour lâcher mon clé, pour déchouquer pour l'année. À partir de 1986, c'est vrai. Pouvoir d'Ivalia, pas là. Il y a pas de pouvoir CNG. Et CNG a ramené nous dans un pouvoir démocratique avec constitution nous. Non, mais nous. En 1990, nous d'accord, nous tous là, témoins. C'est que le gouvernement François Duvalier pas de bon. C'était un pouvoir tyrannique. Et à partir de 1990, ils ont dit nous faisons une deuxième indépendance. Tout le monde n'est pas bravo, content, pays a développé, tout le monde n'est pas riche.
jeune garçon, toute jeune femme dans le pays, elle est Haïti délivré. Pour voir 90 là, il était chita sous trois bagailles. Justice, transparence, participation. Et je dis à tout le monde qui a fait histoire, qu'on est bon grand monde qui joue. Bataille ça, son seul groupe. Mais masse peuple là, que vous te dit, oh, mais les koyo, les peuple là qui fièvre, koyo chaud, je dis à peuple là, pas de côté pour mettre tête li. Tout le monde a vivre à l'aise dans la caillou, peuple là lui-même ni pour compte. Maintenant, nous tous connaissons l'histoire. Pral gagné, on rupture, on paquet de problèmes qui passaient. En 1994, maintenant, la communauté internationale là va retourner ici, va venir rétablir la démocratie avec 22 000 mérites. Et c'est un grand monde dans la rue, c'est pour la première fois, yon poule pour nous. J'ai à tourner, entrer en dedans votre poule là. Peuple Israël, nous bon. Tout bagaille pour changer. Pour aller de l'eau, pour aller courant, pour aller tout en l'air, pour aller manger. Ouololoy. Et je dis à l'histoire, bah nous raison. Un peuple qui pas attendait, monde qui savent, qui a capacité, la guerre pour le payer, conséquence là. Pour voir ça, les villes Manou ont pouvoir nager pour sortir. On pouvoir nager pour sortir. Et pouvoir nager pour sortir ça, les villes Manou ont pouvoir bandit légal. Depuis l'EA, peuple haïtien a demandé qui bef qui te volé, qui salgué la paix là. Je veux dire, nous tous qui là, de manière générale, nous yon pas qu'à la caillou. Nous yon là, pas qu'à traverser nos départements à l'autre. Démocratie, pouvoir démocratie. Pouvoir démocratie. Et pouvoir démocratie, ça, yon n'a pas gagné, il fait pas ici payer plus cher. Yon crase institution militaire là. Et depuis là, yon crase institution militaire là. Pays a pour contre lui, il va pour savon pour nous faire ça. Vous voulez, c'est démocratie dans le pays là. Je dis maintenant, après toute conséquence, ça y est, bandit légal, il a livré pays à pour savon. Nous venons tomber dans le bagaille tête calée et tête calée mener un paquet de paillasse jusqu'à ce que. Yo tout yon président. Le yon fin tout yon président. Puisque yon te dit, yon a violé la loi. C'est dans la démocratie nous yon. Yon tout yon président. Je dis à nous gen 3 ans. Depuis Haïti bagay président. 3 ans. Pas jamais gen élection. Et. Te gen yon 16 chansons. Nous tous qui là, des nationalistes, des vaillants soldats, nous dit clair, pas on l'autre gens pour qui ça résout, si que nous ne tournons pas dans la constitution de 1987. Pièce pour nous battre, même colonne Lougaou qui met ensemble nos familles, qui mangent les petites là, ils ont dit pas de provision légale. Il dit salut public. Il dit conseil présidentiel. Nous dit non. Tout autant, nous ne pas admettre dans saluer là pour nous chita, pour que nous tournions dans la constitution 1987 là. Crise là, pas jamais résoudre. Il dit salut public. Je dis à nous tous qu'à constater. Il dit pas de cop, pas de moyen. Eh bien, pendant que nous parlons là, il y a 9 présidents. Il y a 9 présidents
en dans pays ya. Et neuf présidents ça la touche tac sous tout haïtien et mandé ça fait là nous pas connaît qui ça a fait. Neuf présidents, neuf loup-garou. Neuf loup-garou dans la famille. C'est eux qui ont échoué du Valier. Depuis 34 ans, c'est eux qui ont fait le pays. Haïti, pas jamais faire un pas. Jeunesse, pas jamais travail. Insécurité, vine pire. Même loup-garou ça, qui a neuf têtes là, ils ont dit clair. C'est eux. Qui pour un GPI, même nous avons mangé tout le monde, même nous avons fait des boissons tout le monde, ils ont dit c'est eux qui sont capables de prendre un GPI. Et bien clair, je dis à nous-mêmes, nous venons camper là pour nous dire, nous avons fait, nous ne pouvons pas. Mais quoi maman, mais quoi papa, à partir de jeudi, nous demandons pour tout le pays, tout le département, les mécapés, pour nous déchouquer. Pour nous fouiller des neuf loups-garous, pour nous retourner dans la constitution haïtienne. Vive Haïti, merci. Un spécial à tous les amis de la pression. Son plaisir pour nous accueillir nous là et nous avons un peu d'attention. Et nous avons un respect plutôt avec l'attention que nous attribuons à chaque événement national. Entre temps, par le canal de votre micro, je profite de l'occasion pour m'adresser au peuple haïtien et par un peu partout à travers le monde. Peuple haïtien, le devoir de la soumission à la volonté de nos ancêtres et des dieux tutélaires de la nation nous impose l'obligation de freiner les bavures sociopolitiques dont les hommes et femmes sans scrupules qui s'accaparent illégalement du pouvoir sont l'objet. Nous, dignes filles et fils de la patrie commune Haïti chérie, manifestons la ferme conviction d'assumer valablement notre responsabilité face à la nation avec l'unique volonté de rétablir l'état de droit et de faire respecter notre souveraineté. On ne peut plus supporter le désordre institutionnalisé du pouvoir de facto emmené par un serpent à sept têtes, deux cornes et une queue, et maintenant supporté par des forces militaires et de police kenyan, sous prétexte qu'ils sont là pour remanier la sécurité. Foutaise. On ne doit plus rester inactif face à la débâcle de l'État résultant de complots criminels de sources nationales et internationales. Il faut, ayant compris notre mission patriotique, prendre des dispositions pour l'accomplir au lieu de la trahir. Nous décidons de l'accomplir au péril de notre vie, à l'instar de nos héros de l'indépendance. Le temps est donc venu de mettre un terme à cette crise plurielle et multiforme qui profite crassement aux ennemis de la patrie et qui enfonce le pays chaque jour de plus en plus dans le sous-développement. Notre volonté manifeste de redresser la barre dans la conjoncture présente témoigne notre sens de responsabilité et du devoir face à la mémoire de nos ancêtres pour restaurer l'État dans toute son autorité et ses divers services au bénéfice de toute la population sans distinction aucune. Cette dynamique n'est pas celle d'une Haïti sur une autre, ni d'une classe sociale sur une autre, mais celle d'une nation assoiffée de liberté et de justice sur les forces du mal, tant interne qu'externe, qui l'empêche de vivre dans la dignité et le progrès. À travers différentes manifestations sur tout le territoire national, souvent réprimées dans le sang, chez nous et même en terre étrangère, le peuple haïtien exprime clairement à la face du monde son rejet du système politico-économique qui méprise son humanité et sa citoyenneté. Tels sont les mêmes sentiments qui ont poussé les ancêtres esclaves à se révolter contre le système esclavagiste, colonialiste et raciste, et les ont conduits à briser les mesures d'interdiction qui leur étaient faites de revendiquer un traitement humain. Aujourd'hui, en tant que citoyen engagé,
Nous nous inscrivons exactement comme avant-gardistes dans cette lutte aux côtés du peuple haïtien pour faire respecter la souveraineté d'Haïti et pour rendre possible le retour à l'ordre constitutionnel. Ainsi, la mauvaise gouvernance, la corruption généralisée, l'impunité, la montée volumineuse des bandes armées et le banditisme d'État seront un souvenir d'antan. L'État sera respectueusement au service de la population et non l'inverse. La sécurité, les valeurs de la République, l'égalité des citoyens et citoyennes, la fraternité, les droits et devoirs de la personne, l'impartialité et l'équité de genre seront un souci permanent de cette nouvelle Haïti pour laquelle nous nous battons corps et âme. L'indépendance de la justice doit être une garantie formelle, comme le veut tout État de droit. La Bible l'a si bien précisé, la justice élève une nation. Le pouvoir judiciaire doit avoir les moyens et la liberté de sa mission. Et les victimes doivent enfin pouvoir espérer trouver justice. Peuple haïtien, nous ne devons jamais oublier que nous sommes un grand peuple. Nous demeurons un bel exemple d'unité dans la lutte de libération. Nous avons même aidé d'autres peuples à vaincre leurs oppresseurs dans la lutte pour l'obtention de leur liberté. Et grand nombre d'entre eux gardent encore avec respect et gratitude ces souvenirs. Il nous faut maintenant appliquer ce pouvoir d'unité dans la construction de ce grand État dont nous rêvons tous. Notre glorieuse page d'histoire de lutte pour l'indépendance demeure une étoile qui étonne encore dans l'histoire universelle. Et il faut éviter d'y jeter des saletés comme le souhaitent tant les puissances vaincues. Nous, réveil national et alliés, aujourd'hui, l'ambition de réaliser de grandes choses au profit de la patrie ne nous fait pas peur, malgré la présence des forces rétrogrades, y compris l'ampleur des enjeux et des défis, car l'union est notre force. Pour ce qui concerne nos amis de la communauté internationale, nous espérons un changement de paradigme dans nos relations. Nous exigeons désormais une collaboration respectueuse et fructueuse, car le peuple haïtien mérite mieux qu'un cycle d'assistanat. Entre l'aide et la coopération, la grandeur de notre histoire et l'attachement à notre dignité de peuple nous imposent la suivante. Nous voulons dorénavant recommencer à vivre le confort de l'État prospère et souverain où le drapeau de la sécurité flottera sur toutes les régions du pays. Car aujourd'hui, cette unité entre le réveil national et différents membres d'autres structures politiques qui sont présents nous montrent clairement que cette nouvelle Haïti est possible. Et félicitations à vous tous les amis. Notre société doit être sous peu l'objet de la dignité propre aux citoyens et citoyennes de tout État qui se respecte. Nous luttons en tout état de cause pour un vrai retour à l'ordre constitutionnel. Que le peuple haïtien reste à jamais vigilant. Vive Haïti, vive la République. Merci beaucoup. Initiative qui réveille national mettez campé avec un ensemble d'alliés qui pour permettre que aujourd'hui nous retirer bon massacre et qui envisage nous même que moi-même moi tu es en retard et moi pense que aujourd'hui dit clair nous connaît tout le monde en pays et ça que nous fait déjà comme bataille en pays ça c'est ça que nous même et nous t'es campé pour nous pas rentrer dans mascarade ça que aujourd'hui on trouve nos situations. Pour un groupe de monde que nous aider qui nous aider nous courir derrière volets, c'est eux même qui prend bazooka yo. Il y a le braqué BNC pour le prendre 100 millions de gouttes. Et je dis à l'éclair ensemble des bons ça yo et nous même comme monde cap goumen nous connaissons eux même qui vendent EDH. C'est eux-mêmes qui devant Télécom, c'est eux-mêmes qui devant la série d'Haïti, c'est eux-mêmes qui crasent le pays. C'est eux-mêmes qui permettent que c'est celle de la République de Port-au-Prince qui gagne. Les eux-mêmes, comme jeunes garçons, qui ont levé dans le quartier, obligés de quitter la province pour rentrer dans la capitale de Port-au-Prince parce que c'est ça qu'ils ont fait comme République d'Haïti. Et c'est eux-mêmes qui font que nous ne payons pas l'hôpital. C'est eux-mêmes qui causent que nous ne payons pas centre de professionnels. C'est eux-mêmes qui causent que nous ne payons pas assez d'universités dans le pays. C'est eux-mêmes qui causent que nous ensemble d'infrastructures baguette dans le pays. Mais c'est même eux-mêmes encore, je dis, qui sont dans l'objectif
un seul objectif pour être capable de craser BNZ. C'est ça l'objectif de craser BNZ. Et en connivence avec Roger, que les États-Unis vont venir, qui vient gérer intérêt, un groupe nègre des États-Unis qui a une balle. Je dis à personne, pas qu'à venir faire nos quoi. Pour nous résoudre le problème d'insécurité en d'un pays, c'est dans le pété balle. Avant la première mission, il faut que l'État montre nous des démarches. Qu'il y a contrôlé les frontières, qu'il y a un rapport avec les Dominicains. Parce que je veux dire, tout le pays a des problèmes de sécurité, mais nous-mêmes, nous avons des problèmes de gangstérisation. Qui ça fait que je dis? Nous avons des problèmes de gangstérisation. La République Dominicaine, côté balio à passer, puis au milieu de nous, nous n'avons pas de problème de gangstérisation que nous avons en Haïti. Il faut que nous posions cette question. Je crois que je dis à l'éclair. Il faut que nous boumions et c'est boumé pour nous continuer à boumé, c'est bataille pour nous continuer à bataille. Et pour deux mounts, il faut nous d'accord qu'il n'y a pas de place là. Et ça fait aujourd'hui, nous avons avec Gogéra, il faut que bluff la fini. Et nous avons les dernièrement qui s'est passé dans l'hôpital général. Parce que nous avons dit que nous avons un contrôle total capital là. Et pendant ce temps, il n'y a pas qu'à descendre par la nationale via le travail. Il n'y a pas qu'à aller dans l'intérieur via le travail. Il n'y a pas qu'à l'occupité via le travail. Mais ils ont dit qu'ils contrôlent total capital là. Mais c'est ça que je dis. Ou même comme citoyen qui quitte la caille, ou même comme citoyen, je dis, si vous allez dans le sud, il faut payer poste de péage. Ou même, je dis, comme citoyen qui va à Carrefour, je dis, pour nous, ton chaud de la caille, pour faire manger, il faut payer bandia. Et si citoyen sorti, quitte la caille, bandia paye, bandia saisit la caille. Pour aller faire un transfert, il faut payer bandia et il faut que banque paye bandia. C'est pays ça. Yon groupe rejetant, dis-nous que yon gen contrôle total de nous-mêmes. Parce que aujourd'hui, c'est un impératif lié pour nous camper, pour nous gommer, pour nous capables de retirer ensemble des remblais à aux jeunes toujours dans nos visages. Merci. Ouais! Voilà, fini. Récréation, fini. Comité 100% diaspora. C'est une structure sociopolitique, référence qui l'ouvre par toute l'autre organisation dans la diaspora, pour rejoindre un réveil national pour faire une seule bataille dans l'intérêt de la population haïtienne. Bibi Gaye, pas fait qui. Tantôt nous unis, tantôt nous désignés. Il faut que la diversion soit finie dans ce secteur. Réveil là à comité 100% diaspora, dis-nous tous qui remet Haïti doit faire une seule pour nous sauver le pays. Parce que l'État pays est arrivé là, si nous ne pas mettre nous ensemble, nous tous à disparaître. Nous déconnons cette Aoussa de Konsa, pas de faire rien pour le pays d'Haïti, ni pour la diaspora qui voulait tourner la caille. Problème pays nous doit résoudre avec les gens qui ne sont pas esclaves, colonne assassin. Je dis nous, peuple haïtien, si ban koke sa yo te vle résoudre le problème de sécurité, yo t'apprend Kenya, l'armée d'Haïti et la police là. Yo t'apprête yon dans un endroit différent pour yo faire la relève pour le peuple là, te ka vaquer dans l'activité sans problème. Mais c'est pas ça qui priorité yo, c'est quand même pour poste parce que yo tout c'est un paquet de chapillet. Pour finir, c'est notre tête ensemble sans diversion. N'en fait pas plus bon pour nous retirer pays à dans ensemble crise. Toute forme qu'a plongé population haïtienne. Haïti pas pour mercenaires. Haïti pas pour machin micro qui fait analyse pour la population haïtienne. Haïti c'est pour tout haïtien qui veut vivre comme ça doit. Il y a un proverbe qui dit côté qui est grand monde, tout monde pas joué. Côté qui est grand monde, tout monde pas joué. Réveille là, attend tout le monde pour nous capables de désarmer tout abolition et tout bonne socorro qui pas voulait retirer le pays ça dans cette situation ça. Merci.